c'est pas moi qui ai inventé le terme principe de la propagande de guerre. Il se trouve dans un excellent petit bouquin de Anne Morelli, historienne et professeure à l'Université libre de Bruxelles. En fait, elle se basait elle-même sur le travail de Lord Ponsonby, qui était un Anglais qui avait travaillé, je pense, à la Défense ou au Foreign Office britannique. Et il avait relevé que dans leur propagande de guerre, les Britanniques avaient diffusé beaucoup de fake news à propos de l'occupation allemande de la Belgique, qui n'était pas rose, mais on en avait remis une couche en disant qu'ils avaient entré les bébés à la baïonnette et toutes sortes de choses comme ça, chose complètement inventée, mais qui était nécessaire pour faire entrer l'opinion publique dans l'acceptation d'une guerre qui, je le rappelle, est une guerre pas du tout pour la défense de la patrie contre l'envahisseur, c'est une guerre purement impérialiste pour le partage du monde, pour les principales richesses qui étaient l'acier et le charbon en Alsace-Lorraine, à l'époque c'est joué un rôle fondamental dans le développement économique, une guerre pour le contrôle des Balkans qui était la route vers le canal de Suez, vers l'Inde, et bien entendu les Balkans étaient la route vers le pétrole du Moyen-Orient qui avait pris une importance fondamentale dans l'économie vers 1900-1910. Et la troisième raison était le partage des colonies en Afrique où l'Angleterre, la France et la Belgique aussi avec Léopold II s'étaient taillé un formidable gâteau dans les colonies et donc dans les matières premières africaines. L'Allemagne en avait été exclue, l'Italie aussi, et donc l'Allemagne voulait repartager le gâteau, voulait sa revanche, et donc c'était un enjeu. Et donc c'était une guerre absolument criminelle des deux côtés, dans laquelle énormément de jeunes travailleurs ont été massacrés, pour rien, absolument pour rien, pendant que les barons de l'acier et du charbon ne se faisaient pas du tout la guerre eux-mêmes et coopéraient en fait beaucoup. Et donc, Anne Morelli a fait, à partir de Lord Ponsonby, qui avait dit, voilà, si vous voulez vendre une guerre, vous devez faire ceci, ceci, ceci. Et donc, il expliquait de manière très révoltée et très cynique, voilà, comment on vend une guerre à l'opinion. Et Anne Morelli a fait un petit bouquin très, très intéressant qu'il faut regarder, qui explique ces principes de la propagande. Et on les retrouve dans tous les conflits actuels. Alors moi, ce que j'ai fait à partir de mes livres qui ont analysé après l'Irak, j'ai analysé les guerres contre la Yougoslavie et d'autres. Et donc, j'ai constaté qu'on avait le même schéma à l'œuvre dans toutes ces guerres, que ce soit des guerres déclarées ou ce que j'appelle des guerres non déclarées, mais qui sont tout aussi meurtrières, c'est-à-dire, par exemple, contre le Venezuela, contre la Bolivie, contre la Syrie, contre l'Ukraine, contre l'Iran, les sanctions. Ce qu'on appelle les sanctions, qui sont en réalité des blocus et des sabotages économiques, sont une forme de guerre aussi, parfois même encore plus meurtrière. Et donc, j'ai indiqué, voilà, si vous voulez comprendre un conflit que vous ne connaissez pas particulièrement, vous n'avez pas été sur le terrain, vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas tellement de contacts, donc vous vous dites, qu'est-ce que je peux croire? Forcément, vous êtes influencé par les images qu'on vous balance, on vous montre toutes sortes de choses. Donc, il vous faut des points de repère pour comprendre si on vous mène en bateau ou si vous avez affaire à une information qui est fiable, qui peut se tromper, tout journaliste peut commettre des erreurs, mais la question est de savoir si on vous mène en bateau ou pas. Et donc, ces cinq principes de la propagande de guerre sont, un, cacher les intérêts économiques, c'est-à-dire cacher le fait que ce sont toujours des guerres pour le fric, des guerres pour le pétrole, pour le gaz, pour les diamants, les minerais, pour les zones stratégiques et les régions stratégiques, les routes du pétrole et du gaz, etc. Ça, il faut le cacher à l'opinion, parce que si on disait à l'opinion publique, voilà, nous faisons la guerre pour les profits des multinationales, ben les gens diraient, ben pas avec mes enfants, faites-la vous-même si vous avez envie, mais pas avec mes enfants et pas avec mon argent. Donc, il faut qu'on persuade les gens que cette guerre, elle est pour eux, qu'elle vise à les protéger d'un grand danger. Et donc, on remplace le discours sur les intérêts économiques qui ne marcheraient pas. Enfin, de temps en temps, on voit un petit peu quand même qu'on dit oui, c'est aussi pour nos intérêts, mais bon. On remplace ça par petit a,
c'est une guerre humanitaire pour protéger des populations en danger, ou petit b, c'est pour l'émancipation des femmes, c'est ce qu'on a vendu sur l'Afghanistan. En réalité, les États-Unis avaient renversé en Afghanistan un gouvernement qui avait émancipé les femmes et ils avaient amené au pouvoir Ben Laden et les talibans. Donc, c'est exactement le contraire. Ou alors, évidemment, ce qui a le mieux marché dans les prétextes de guerre, c'est le terrorisme, parce que ça, on peut avoir des terroristes un peu partout, on peut baptiser terroristes des gens qui ne le sont pas, et s'il n'y a pas des terroristes dans une région et qu'on en a besoin, on peut aussi les importer, ça n'est pas compliqué, les États-Unis l'ont fait. Donc, premier principe, cacher les intérêts économiques. Un deuxième principe, c'est cacher l'histoire, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe dans une région, vous ne pouvez pas faire seulement une photo de maintenant qui est en train de frapper qui. Par exemple, si on voit un Palestinien qui lance une roquette sur une ville israélienne, vous allez dire c'est dégueulasse, il risque de tuer des civils. Donc si vous faites une photo de maintenant, vous risquez de vous tromper. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut savoir que le Palestinien qui tire une roquette sur, par exemple, la ville voisine de Sderot, en fait, lui, ses parents ont été chassés de cette ville par la violence de la colonisation israélienne, et donc il a été chassé de cette ville. Et donc tout ce qu'il fait en envoyant une roquette, c'est de juste envoyer un petit rappel en disant « Vous savez, je suis toujours là et je n'accepte pas que vous m'avez chassé de mes terres, ou vous avez volé la terre. » Et donc ça, comprendre l'histoire, ne pas laisser occulter l'histoire, c'est fondamental parce que dans tous les conflits qui se sont produits dans le tiers-monde, il y a une dimension coloniale importante. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Irlande si on ne sait pas que l'Angleterre a volé la terre de l'Irlande pour voler les céréales, les utiliser pour nourrir les paysans qu'on avait forcés à aller travailler dans les usines anglaises ou les capitalistes décrits par Marx dans les années 20, 30, 40, faisaient travailler les ouvriers pour le moins cher possible, et donc pour leur faire travailler pour le moins cher possible, il fallait importer des céréales d'Irlande qu'on ne payait pas et qu'on volait. Et donc on ne peut pas comprendre l'Irlande sans savoir que la Grande-Bretagne a volé, colonisé par la violence et la répression ce territoire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Palestine si on cache le crime de départ, la Nakba, à savoir qu'avec la complicité des puissances occidentales et les armes occidentales, le colonialisme israélien a chassé les Palestiniens de leur terre et a prétendu, voilà, maintenant ceci c'est à moi. Si on voit que ce qui se passe maintenant, on ne comprend pas. Je pourrais multiplier les exemples sur le Rwanda, sur la Yougoslavie, sur la Libye, etc. Si on cache que le colonialisme britannique, français, belge aussi, espagnol, portugais, a toujours travaillé à diviser les populations, les nationalités, les religions, divisées par tout ce qu'on peut trouver pour dresser les gens les uns contre les autres, alors on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, occulter l'histoire, c'est le deuxième grand principe de la propagande de guerre. Et d'ailleurs, oui, Michel, sur ce point-là de l'histoire, je conseille un excellent livre que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle « La stratégie du chaos » que vous avez édité avec Investigaction. C'est des entretiens avec Mohamed Hassan qui est diplomate, enfin qui a été diplomate. Et c'est très intéressant parce que vous énumérez une quinzaine de pays ou peut-être une dizaine de pays du Moyen-Orient. Vous faites une lecture historique de ces pays pour pouvoir mettre en dynamique et avoir ce retour dans l'histoire qui permet de comprendre les conflits actuels qui va de l'Égypte à l'Arabie Saoudite, la Tunisie. Voilà, la stratégie du chaos, c'est vraiment un ouvrage qui m'a permis de grandir en termes de culture géopolitique pour pouvoir avoir un esprit critique plus affiné. Mais je te laisse continuer. Tout à fait. Et donc, le troisième principe de la propagande de guerre consiste à diaboliser l'adversaire. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué au début, les gens n'aiment pas la guerre. Les gens sont contre la guerre, en principe. Donc, pour les convaincre qu'il faut la guerre et que la guerre est un mal nécessaire, il faut les convaincre qu'en réalité, il y a un danger encore plus grand, il y a un mal encore plus grand, et que donc, c'est une guerre humanitaire pour mettre fin à un mal. Pour ça, il faut donc créer l'image d'un ennemi effrayant. Et bien entendu, comme on ne peut pas haïr un peuple tout entier, encore que maintenant
on est en train de nous endoctriner un peu dans ce sens-là, on va centrer l'attention sur une personne, un seul dirigeant ou un tout petit groupe dirigeant. Et donc, on va faire comme si dans ce pays, il n'y a en fait qu'un dirigeant, un dictateur qui décide tout, ce qui est pas du tout une description réaliste de ces sociétés. Et ce dirigeant, on va le diaboliser en l'accusant de crimes. Alors certains de ces crimes sont réels et effectivement parfois l'Occident attaque un pays dictatorial, mais on ne va pas nous dire pourquoi on attaque ce dictateur-là et pas tel autre qui est peut-être encore pire, alors que la seule raison c'est que certains dictateurs se mettent à genoux et sont les agents des grandes puissances néocoloniales, tandis que l'autre, il nous résiste, et donc c'est pour ça qu'on veut l'abattre. Donc, on va diaboliser le dirigeant adverse, souvent en inventant ou en exagérant ou en sortant du contexte des crimes qui ont été commis. Et donc, pour ça, on va produire des images, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire peur et indigner les gens uniquement avec des mots, les images sont beaucoup plus fortes, et donc on va produire des images, et ça je l'ai analysé dans Attention Média et aussi dans Poker Menteur sur la Yougoslavie. On va montrer des atrocités, on va montrer des images vraiment très émouvantes pour manipuler le public. Et ces images-là, il y a toute une série de manipulations qui sont possibles. Une, par exemple, consiste à inverser l'agresseur et l'agressé, en disant « regardez ce qu'il est en train de faire ». En réalité, les gens qu'on voit sont les victimes de l'autre camp, sont nos victimes. On peut aussi aller chercher des images d'un autre conflit ou d'une autre époque et sortir ça de son contexte. Sur la Yougoslavie, sur la Syrie, sur toute une série de pratiquement tous les cas que j'ai mentionnés, on a des images falsifiées qui concernent d'autres époques ou d'autres conflits. On a même maintenant, avec des technologies modernes, Bolsonaro et d'autres font ça, et ce sont des images complètement fabriquées, mais qui sont diffusées d'une manière tellement massive qu'elles impactent et que tous les gens disent « oui, il y en a tellement, il doit quand même y avoir quelque chose ». Donc la diabolisation est une technique très spécifique et très au point, qui est mise au point avec des experts justement de Hollywood et d'ailleurs qui savent ce qu'il faut pour toucher le public. Si vous montrez des bébés qui sont victimes des atrocités du méchant dirigeant, là évidemment tout le monde va pleurer et va dire il faut faire quelque chose. Et on l'a fait. Et c'est ça que j'ai montré dans Attention Média justement. J'avais analysé des images des couveuses de Koweït City où on nous montrait une infirmière qui témoignait devant une commission parlementaire aux États-Unis en disant « voilà, je reviens de Koweït City », le Koweït était à ce moment-là occupé par les troupes irakiennes, et cette infirmière disait « je travaille dans cette maternité, les soldats irakiens sont venus, ils ont pris 312 couveuses, ils ont laissé les bébés par terre, et comme c'était des prématurés, évidemment, condamnés à une mort atroce, et l'infirmière pleurait là toutes les larmes de son corps. » Évidemment, cette image a eu beaucoup d'impact. Le président Bush, le père, l'a utilisée 6 fois dans ses discours pour dire « vous voyez, il faut faire quelque chose ». Mitterrand a utilisé cette image-là aussi, et Amnesty a publié un rapport sur cette histoire des couveuses en disant « il faut absolument mettre fin à la dictature de Saddam Hussein ». Sauf que l'infirmière n'était pas plus infirmière que toi et moi, qu'elle ne revenait pas de Koweït City, que c'était la fille de l'ambassadeur des États-Unis qui vivait à Washington et qui donc n'avait rien vécu de tout ça. Et tout ça, c'est ça que j'ai montré dans le livre, avait été fabriqué, un vrai scénario de Hollywood, par une firme de relations publiques qui s'appelait Hill & Knowlton. Et ça, j'ai attiré l'attention dans mon livre sur le fait que les infos qu'on recevait étaient souvent filtrées ou fabriquées même par des firmes comme ça, qui sont chargées pour des gros budgets évidemment,
de donner une bonne image, par exemple, à la dictature du Koweït ou à la dictature des Saouds ou à Israël, etc. Et ça, c'est ces firmes qui travaillent étroitement en liaison avec la CIA et les services secrets des États-Unis sont un véritable lavage de cerveau de l'opinion publique occidentale. Et j'ai retrouvé les mêmes firmes, enfin des firmes du même genre plutôt, dans la guerre contre la Yougoslavie. Et un journaliste de la télévision française qui s'appelait Jacques Merlinou, je pense qu'il vit toujours, a publié un bouquin « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire » dans lequel il interviewait le patron qui s'appelait Harf, je pense, de la firme Ruder & Finn qui avait fabriqué toute une diabolisation semblable sur des camps de concentration assimilés aux camps de concentration nazis dans lesquels un des camps dans la guerre en Yougoslavie était censé rassembler et exterminer les gens de l'autre ethnie. Et Bernard Kouchner, qui jouait un rôle répugnant dans la propagande de guerre à cette époque, qui d'ailleurs a trempé dans des choses extrêmement louches au Kosovo par la suite, Bernard Kouchner a utilisé ça et a fabriqué des images où il comparait directement des images totalement sorties du contexte et déformées de ce conflit-là avec des camps de concentration nazis. Et donc ça, c'est une manifestation typique de quand tu peux arriver à comparer ton adversaire à Hitler, tu as gagné. Si dans la tête des gens, on a un nouvel Hitler, tu as gagné. C'est le point Godwin, d'ailleurs. Voilà. Or, cette idée-là, c'est un classique. Hein. Le journal Le Monde, en 1956, quand Paris et Londres ont bombardé l'Égypte, où il y avait un président anticolonial qui voulait juste la souveraineté, l'autonomie, qui voulait récupérer le canal de Suez sur son territoire. Il a été bombardé par la France et la Grande-Bretagne avec Israël. Et à la une du Monde, il était écrit que Nasser, le dirigeant égyptien, était un nouvel Hitler. Donc ça, c'est un grand classique. Et on va toujours essayer d'assimiler ton adversaire Hitler. Voilà, je dois faire un peu bref parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais bon, ça se trouve un peu dans les bouquins. Plus brièvement, le quatrième principe de la propagande de guerre, c'est inverser l'agresseur et l'agressé, c'est-à-dire toujours se faire passer pour la victime ou celui qui défend la victime. Israël est très fort dans ce principe-là, il se présente toujours comme agressé, alors que c'est lui qui chassait les Palestiniens de leur terre et qui pratique l'apartheid et qui pratique le nettoyage ethnique, qui pratique le vidage d'une terre de sa population. Inverser donc l'agresseur et l'agressé. Et cinquième principe de la propagande de guerre, il faut monopoliser, il faut empêcher le débat. Étant donné que dans une guerre, dans un conflit, il y a forcément deux camps, il y a forcément deux versions, et même plus. Et donc, il faut absolument que le public n'écoute pas l'autre version et pense qu'il y a une seule description neutre et objective de ce conflit, que dans ce conflit, il y a les bons et les méchants, qu'il ne faut pas se poser de questions, qu'il ne faut surtout pas écouter les méchants. Donc voilà, ça c'est ça qui explique la censure à l'œuvre dans les médias mainstream sur l'ensemble des guerres. Des gens comme moi, ou comme Chomsky, ou comme Anne Morelli, ou comme Victor Dédage du cycle Grand Soir, etc., ne vont jamais être invités dans un journal télévisé de TF1, de France 2, ou n'importe quel type, ce même type de journal télévisé. Nous n'allons jamais être invités. Parce qu'évidemment, nous allons dire, mais les infos que vous venez de donner ne sont pas fiables. Il y a une seule source, on devrait écouter l'autre. Et là, vous avez dans ce conflit relayé quelque chose qui était une fake news. Donc, est-ce que vous allez faire une analyse et une autocritique par rapport à ça? Et donc, ça, ils ne peuvent absolument pas se permettre. Ils doivent rester, en fait, le journaliste du journal télévisé, et ça, je le montrais dans ce livre « Attention Média », c'est Dieu. C'est la personne qui sait tout, qui voit tout, qui a... l'analyse infaillible, il ne faut pas se poser des questions, il dit la vérité. Et tu n'auras jamais un journaliste de journal télévisé qui va dire ben, « on ne sait pas, là il y a différentes versions, il faut faire attention, d'ailleurs on sait que les États-Unis qui nous disent ça maintenant, ben, ils ont déjà été convaincus de mensonges précédemment, donc faites attention, tu n'auras pas ça ». Et je conseille de regarder sur Internet un petit morceau d'anthologie. C'est Jean-Luc Godard qui est interviewé dans un JT par un célèbre journaliste d'une chaîne française, j'ai oublié son nom, et le journaliste raconte
une série de choses. Elle présente le journal et comme d'habitude, à la fin du journal, il y a l'invité, c'est l'interview avec Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard ne se laisse pas du tout entraîner dans les politesses et les trucs habituels. Et il revient sur ce qu'on a entendu dans l'émission et dit « Vous avez dit ça, mais est-ce que vous êtes sûr ?» Et donc le journaliste « Oui, oui, non mais est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous avez les sources, etc. Est-ce que vous avez vérifié, etc. ?» Et donc, c'est un contre-interrogatoire, c'est rigolo et passionnant. Il oblige le journaliste à dire « Ben oui, finalement, je ne sais pas. » Et il insiste et il dit « Est-ce que vous pouvez dire ?» « Je ne sais pas. » Et donc, le bonhomme qui se rend compte que son émission est en train de lui échapper complètement est finalement obligé de dire « Je ne sais pas. » Et donc, ça, c'est fondamental. Anne Morelli, avec qui j'ai eu le plaisir de souvent être en débat et de coopérer sur ces problèmes de la propagande de guerre, donnait comme conseil aux gens « Reconnaissez, je ne sais pas. » Ça, c'est la toute première chose à dire, c'est « Je ne sais pas. » Et elle disait moi-même « Je ne connais pas le conflit dans tel ou tel pays, je n'ai pas le temps de m'en occuper, d'aller vérifier. » Donc, la seule attitude prudente et raisonnable, c'est de dire « je ne sais pas ». Donc, je suis ouvert à écouter les deux. Et tant que je n'ai pas fait d'enquête, je ne vais pas aller répéter ce qu'on m'a dit parce que, par définition, ça n'est pas forcément fiable. Cacher les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser le débat, empêcher le débat.